Salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau euh, nouvel épisode sur la saga euh, Lab Ascode. Je suis Nils et euh, on va profiter de la soirée pour continuer nos aventures terraform, cloudinit, ansible euh, pour créer un labo réseau virtuel qui puisse être facilement euh, on va dire euh puisse être facilement euh, instanciable, réinstanciable, déplaçable. Bref, le must. <laughs> J'espère que vous allez bien. Hop. moi je suis hop, pas tout à fait prêt. Il me manquait juste un peu d'eau dans le verre. Parce que ça va parler un peu ce soir. Et donc il faut savoir s'hydrater. Bien. Euh, Est-ce qu'on a... Déjà du monde. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc on va profiter pour, euh, pour refaire un petit peu le point sur ce qu'il y a euh, actuellement en place et l'objectif. Il faut juste que j'aille chercher le schéma qui va bien et qui de toute façon est dans le dépôt qui va bien. Donc, allons-y la base code et on va ouvrir le schéma hop voilà et je vais le montrer à l'écran dans un instant hop. donc l'objectif hop c'est ça donc l'idée, c'est que euh, tout, ce qui est, tout ce qui est présent là, et on en rajoutera très certainement après, euh, c'est de le mettre en place euh, à partir de machines virtuelles sur, euh, sur, un, sur un hyperviseur, alors qui pour le moment est euh, l'ordinateur qui me sert à streamer, mais qui à terme sera une autre, une autre machine. <coughs> et euh, pour, le, pour le moment, en fait, l'hyperviseur sera la machine qui est ici, que je, que je sélectionne. Je vais peut-être zoomer un peu d'ailleurs. Voilà. Donc en gros ici c'est un, un diagramme qui est plutôt orienté réseau. Et en fait la machine qui va faire routeur ici, qui est d'un côté en DHCP et de l'autre côté avec une, une adresse IP en 122.1, et eh bien elle euh, c'est celle-là qui fait office d'hyperviseur. Et donc tout ce qui est derrière, tout ça là, ce sont des réseaux virtuels ou des machines virtuelles, qui pour le moment n'existent pas, mais euh, dont l'objectif est de les créer. Euh, via euh, des, euh, des technologies d'infrastructure as code, comme Terraform, comme CloudInit, euh, de façon à ce que euh, on puisse instancier facilement ce labo, euh, le casser tout ce qu'on veut, et ensuite le détruire et le réinstancier comme si de rien n'était. Pour le moment, euh, on s'est attardé sur la partie... Euh, alors, avant que je, je, je continue sur la partie sur laquelle on s'était attardé, euh, l'objectif, quelque part, euh, c'est qu'en fait, on essaye de euh, maqueter un bout d'Internet avec plusieurs fournisseurs d'accès Internet, les, les ISP, Internet Service Provider. Et euh, ces, euh, ces ISP sont représentés par à chaque fois un routeur virtuel qui euh, va avoir euh, des interconnexions avec d'autres euh, fournisseurs d'accès. Et ensuite, il y aura leur propre, euh, leur propre réseau. Alors pour le moment, dans le, dans le schéma tel qu'on l'a prévu, j'ai prévu deux, euh, deux, services, deux fournisseurs d'accès qui ensuite auront une, une patte vers un sous-réseau particulier qui permettra de sortir sur Internet. De façon à ce que notre labo puisse communiquer, puisse sortir sur Internet, ne serait-ce que pour les installations de logiciels. On mettra bien entendu des DNS qui feront office de, de DNS public façon, euh, façon Google DNS, Cloudflare ou, euh, ou, euh, ou ben, euh, FDN par exemple et, euh, et euh, il y aura un ISP qui va faire office de fournisseur de euh, alors j'ai pas envie de dire de cloud de public mais peut-être de, euh, de on va dire de serveur serveur virtuel ou serveur dédié ce genre de choses là et puis euh, on verra ensuite euh, donc, j'ai pas encore forcément fini à ce niveau-là le, le schéma, mais déjà on va, on va voir en construisant euh, certains trucs si on peut pas avoir des fournisseurs d'accès où il va y avoir des entreprises derrière ou, euh, ou des particuliers par exemple. avec des, On mettra peut-être des petits firewalls qui représenteront des boxes, ça peut être une idée. Salut Manon, salut Localhost HD, bienvenue à vous deux. Je vais peut-être baisser un petit peu la musique. Si elle n'est pas trop forte pour vous. Hop. Hop. Voilà. Pour moi, ce sera mieux. Voilà, voilà. Donc, euh, ça, c'est un peu l'objectif avec les possibilités d'extension. Maintenant, dans cet objectif, où est-ce qu'on en est Eh bien, pour l'instant, on a euh, instancié une machine. Alors, peut-être pas forcément celle-ci, mais on a instancié une machine. Et on a instancié un routeur. Mais on les a tout juste instanciés. Si je vais euh, sur mon Virt Manager, on peut voir un ISP Router 1, un ISP, enfin un ISP1 router 1 et un ISP1 VPS1. Il y a deux autres machines ici, mais elles ne font pas partie du lab. Ces machines-là sont éteintes. Et si jamais je, euh, je vais. Ici dans les détails et qu'on regarde les virtual networks, on peut voir tout un tas de euh, réseaux virtuels euh, qui sont d'ailleurs euh, inactifs. Me revoici par contre au niveau de mon code directement dans le répertoire Terraform. Euh, je vais en profiter pour vous donner tout de suite l'adresse du dépôt où se trouve tout mon code. C'est ici sur, euh, sur GitHub. Euh, vous pouvez euh, alors je vais mettre le Lien dans le chat. Si jamais vous regardez cette vidéo en replay, normalement le lien sera genre en dessous dans la description. Et bien entendu, vous pouvez retrouver euh, ces, euh, ces, ces liens-là dans, euh, dans mon chat Discord, dont l'adresse est par là, et, euh, et qui sera de toute façon aussi en dessous sur, sur le replay YouTube. Euh, dans les commentaires de la, de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo. Euh, L'occasion de vous encourager, donc, euh, si jamais vous avez envie de discuter euh, entre deux streams, bah, de venir sur le Discord. L'ouverture est... Enfin, euh, c'est ouvert à toutes et à tous. Et euh, si jamais euh, vous, euh, ces vidéos vous plaisent, bah, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube, si vous avez envie de voir les replays. Euh, donc... Qu'est-ce qu'on a dans ce euh, répertoire À part euh, des. Euh... Alors, si on fait un petit vim euh, moins -p étoile.tf. Voilà. Là, on va être bien. Donc, ici, j'ai euh, un fichier qui s'appelle isp1-compute. C'est là où je mets mes VM. Euh, où j'instancie mes VM au niveau Terraform. J'ai un main avec juste la partie euh, provider. Euh, une partie networks où je vais définir donc, mes euh, réseaux virtuels. Donc on peut voir que j'en ai déjà défini euh, une, euh, une petite palanquée. Et euh, là je mets euh, de, de côté les, euh, les volumes. Qui vont servir en fait d'image de base euh, pour, euh, pour mes machines virtuelles. Euh... Ah bah tiens J'étais en 36 bêta 1. Est-ce que par le plus grand des hasards, on n'aurait pas maintenant... Parce que nous enregistrons cette vidéo le 12 mai 2022. Et Fedora 36... Fedora 36 est disponible. Donc, si je vais regarder sur le site de Fedora... Euh, pop, 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 pom, je veux une image. Euh, pop, pop, pop je voulais une image cloud moi. ISO brut, non. ISO standard, non. Donc ça, ça doit être directement l'URL. Attendez, il y a plus... Ah, les autres... Voilà. Alternatif, téléchargement de temps. Ah, image cloud base. Voilà. Et on va prendre la cloud base OpenStack. Euh, on va la télécharger. Hop. Oh, ça va, 10 secondes. Voilà, comme ça on va, on va partir sur des bonnes bases. Euh, on va aller regarder ici. Euh, pop -pop -pop -pop. Alors, je suis censé l'avoir mis où d'ailleurs Je suis censé l'avoir mis dans OMNILS, Libvirt, Boot, Fedora. Alors, on a dit Libvirt, Boot. Donc là, j'ai un Fedora Cloud Base Beta. MV Downloads Fedora, voilà. Parfait. Copier. Hop, on va aller ici. Bon, en fait, il y a juste à enlever le, le bêta, je pense. Le underscore bêta. Hop, et à remplacer le 1.4 par 1.5, si j'ai bien saisi. Et là, on va faire. Pareil à ce niveau-là. Euh, ah non, il faut faire au euh, niveau release test. Hop, on enlève ça. On enlève ça et voilà. Et pour ce qui est de euh, l'image iOS et c'était ça qu'on avait vu un peu hier aussi, enfin pas hier, la semaine dernière. C'est que cette image-là, c'est moi qui l'ai construite. Je vais pas vous montrer ce soir comment euh, comment je la construis. Je vais d'abord essayer d'avoir un truc qui fonctionne et après on pourra faire un petit détour. Euh, parce que là, c'est une image qui date de. Ah oui, elle date déjà du mois de mars. Faudra... Je pense qu'à un moment, il faudra que je la mette à jour. Donc on verra on verra comment s'y prendre à ce moment-là. Il faudra que je me pop une autre Debian en, en... en virtuel. Bien. Euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. On va aller dans le répertoire Terraform. Puis on va faire un Terraform euh, hop, Terraform init moins upgrade. Et ce que je vais faire tout de suite en fait c'est faire un Terraform Destroy. Voilà, on détruit tout. Donc si j'ai tout détruit, vous voyez bien que là il n'y a plus de VM. Et si je vais dans détail, on peut voir il n'y a plus de réseau virtuel. Terraform a fait le ménage, par le vide. Parfait. Hop, et maintenant. Ce que je peux refaire, c'est... On va faire... Hey Merci pour le sub, le hd, Merci beaucoup à toi C'est très gentil. J'en déduis que ce que tu vois te plaît, pour l'instant. Ouf euh, Donc, on va faire un petit plan. Euh, moins out... J'ai dit moins out. Égal plan.out. Point, point Merci pour le follow, Hugo Sab. Merci à toi. C'est très gentil. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Donc, il me dit qu'il va créer tout ça. Et normalement, il utilise bien la nouvelle image. Ok, cool. C'est surtout ça que je voulais voir. Sympa de voir du Terraform en live. J'espère apprendre plein de trucs. Euh, bah, écoute, euh, je... c'est très gentil à toi. Euh, je ne sais pas si tu vas apprendre des trucs. Euh, moi j'apprends aussi, figure-toi. Euh, sur ces lives-là, en fait, je suis plus. Euh, comment dire euh, Je me mets pas forcément en position d'apprendre de, euh, des choses aux autres. Euh, généralement, j'ai euh, une, une série qui d'ailleurs touche à, touche à sa fin, une série de stream, les dimanches de 18h à 20h, où c'était plutôt justement de. Euh, euh, de l'apprentissage pour, pour d'autres. Si, euh, si jamais des gens veulent découvrir l'administration système, eh bien, cette série de vidéos permettait aux gens de découvrir un peu Linux, euh, comment installer et configurer un serveur web sous Linux. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des trucs que je vais découvrir et que tu ne connais pas. Et si jamais tu vois des choses qui, euh, qui pourraient être mieux, que ce soit directement dans le dépôt ou, euh, ou au moment de voir en live, n'hésite pas, tu peux intervenir. Euh, donc, j'avais fait mon petit, euh, mon petit, euh, mon petit plan. Euh, Moins auto-approuve. Hop. Ah non, il ne le veut pas ici. Euh, too many. Oh bon, allez, hop, apply. <coughs> ok. Donc là, normalement, si je reviens ici, il m'a popé mes VM. Donc si je regarde ici, hop, on peut voir que la VML est en train de démarrer. Ça c'est cool. Si je vais ici dans les paramètres, et je vais surtout regarder la carte réseau, on voit bien qu'il est dans le réseau isolé ISP1 Net1. Et ça c'est cool. Parce que si je remets le schéma à l'écran, on peut voir que c'est ce réseau-là en fait. Alors je ne les, les ai pas notés. Mais en gros c'est ce réseau-là. Euh, et. On devrait avoir plusieurs interfaces réseau sur le routeur et on va aller regarder ça tout de suite d'ailleurs. Hop, là je ferme. Je vais aller regarder celui-ci. Voilà. Alors. Là il m'affiche rien, mais à mon avis, c'est parce qu'il est en console série. Est-ce que j'ai une console série ici? Oui, j'ai une console série qui n'a pas l'air de marcher des masses. Euh, j'ai un truc. Ah si, ça y est, voilà. Parce qu'en fait, il n'a pas fini de démarrer. Et il s'appelle, il s'appelle tout de suite ISP Router 1. C'est intéressant parce que là quand on revient sur cette VM là, elle s'appelle juste Fedora. Et euh, si je viens, regardez, j'ai deux interfaces réseau. Tiens le CDRO mais en IDE, ok. Euh, donc le NAT, ici, en Virtual Network Default. Et ici en Virtual Network ISP1 Net1. Donc pour le moment, j'ai ce réseau-là avec une machine ici, alors pas le DNS, mais euh, ça va venir. Ici j'ai mon routeur avec ce lien là et ce lien là. Maintenant la question c'est comment on le configure de façon automatisée. Et il y a des chances que ce soir on fasse plus de cloud init que de terraform. Parce que si je retourne... Euh... Non, je voulais aller dans git la base code. Euh... D'ailleurs, je suis en train de me dire ah oui, donc là j'ai mon terraform, là j'ai fait mon apply. Je vais aller dans mon cloud init et j'ai ISP router 1. Alors, juste regardez ISP router 1. Hop Et on va lire le user data. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là vous voyez, il y a cette system hostname ISP router 1 et 7 system login banner another homepage custom vios virtual router. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir ici et avec un peu de chance. Bon, le hostname est bon, on n'a pas vu le message. Est-ce que par hasard il ne serait pas dans le euh, dans euh, la, euh, la console graphique non plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais en gros, si je reviens dans ma partie Terraform, ce qui est assez sympa, c'est que ici, j'ai fait des template files. Avec les, euh, avec les machines. Et ça c'est cool. Enfin, pour le moment j'ai mis les deux fichiers de config euh, CloudInit pour le routeur. Et ce qui est assez sympa, c'est que voilà, on a un disque euh, common, uh, common Init qui est un peu plus haut, voilà, Qu'on a là. Et euh, ce disque eh bien, il, euh, il permet en fait, d'injecter de la config CloudInit à notre routeur. Qui fonctionne sous la distribution Linux iOS. Qui, parce que j'ai reconstruit l'image, prend en compte CloudInit. Je ne sais pas si vous avez suivi. Si jamais vous n'avez pas suivi, je peux, je peux la refaire. Euh, donc c'est assez cool. Parce que maintenant, on va pouvoir automatiquement injecter une configuration à notre routeur. Et donc, ce qu'on va pouvoir lui dire, si je ressors mon schéma, et bien ce qu'on va pouvoir lui dire à ce routeur, c'est que par exemple, la route par défaut, elle est là. Que cette interface-là, on va peut-être la laisser en DHCP. Et par contre, dans ce sous-réseau là, enfin dans, dans ce, ce lien là, on va pouvoir mettre ce sous-réseau là et on va pouvoir dire que c'est lui le routeur, que c'est lui le serveur DHCP, et que les machines qui seront là devront passer par lui pour aller sur internet. Et ça tombe bien parce que en fait bah, chez ViOS il y a une conf pas mal. Hop, vaiOS, alors j'ai dit VioS documentation. Hop. Voilà iOS User Guide nickel et euh, pop pop, pop, pop euh, Quick Start il y a des trucs sympas euh, non, je crois que j'avais vu un truc directement pour euh, pour Cloudinit searching ouais voilà iOS Cloudinit donc qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit, dit qu'on peut rajouter des commandes voilà directement comme ça dans Cloudinit et ben bah, on va pas se, on va pas se priver ce que je peux faire aussi, je pense que ce sera d'ailleurs beaucoup plus sympa pour vous, pour voir à l'écran. Donc là, pour le moment, je suis dans ma config Cloudimit. Si je reviens ici et que je vais dans GitHub, GitHub hop, euh, la base code, et que euh, je fais un petit euh, sudo virsh list, là, j'ai la liste de mes VM en mode texte. Et ensuite, ce que je peux faire, je peux faire un sudo virsh. Alors, est-ce que j'ai mes, mes VM qui sont encore là Elles sont là, mais j'ai pas les consoles, Ok. Donc, virsh console et on peut mettre isp1, hop, routeur 1 Et voilà. Grâce à la console série en fait du routeur, je peux accéder à la console série comme ça en ligne de commande, ce qui est assez pratique. Et donc, je peux faire vios, vios, parce j'ai laissé les identifiants par défaut. Ça, c'est cool. Il me dit bien au fait euh, j'ai euh, j'ai la... la la banner custom et maintenant je peux faire un show configuration voilà et euh, en utilisant le show configuration j'ai euh, je vois toute la conf donc euh, pour le moment ah oui par exemple le NTP il est sur les NTP de IOS euh, on va peut-être lui mettre euh, on va peut-être lui mettre les NTP pool.ntp.org donc comment je vais m'y prendre pour rajouter ces confs là. Je vais revenir euh, ici. Parce que là je suis dans la conf cloud init. Euh, Et on va lui dire hop, ici comme ça. Et on va en fait euh, littéralement copier-coller. Hein. Euh, hop. Voilà. Puis on va, on va mettre le deuxième aussi. Et on va y aller, on va y aller, euh, comment dire Petit pas par petit pas. C'est-à-dire que j'enregistre mon fichier de conf. Pour qu'il soit pris en compte, il faut que je réinstalle mon routeur, puisque ça, ça se fait au premier démarrage. Donc, eh ben, je n'ai d'autre choix que de dire à Terraform, euh, bah, euh, destroy. Hein. Voilà. Et puis, euh, comme on va vouloir le relancer ensuite, on va se faire tout de suite un petit Terraform apply. On va le faire appliquer tout de suite. Moins auto-approuve. Voilà, comme ça, il démolit et il recommence. Et ce qu'on va même pouvoir faire, c'est que dès qu'il aura commencé à faire ça, ici, de toute façon, il va me couper la connexion, puisque là, je suis sur le routeur. Il va me couper la connexion, puisque la VM va être éteinte et détruite. Et il faudra que je pense à refaire vite fait un, un virage console pour voir l'écran défiler, pour voir l'écran de l'installation du premier démarrage. Voilà. Donc, il est en train de détruire. Donc là, vous voyez, on a perdu le, la console. Et... Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas, hop, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah, ça y est, il y est. Hop. Il démarre. Bon, je l'ai un peu aidé, mais c'est pas grave. Donc, le roulement de tambour, est-ce qu'il va... est qu'il va m'afficher les informations de CloudInit Pendant ce temps, je m'hydrate. Ah voilà, on a, on a déjà vu un premier truc de Cloudinit. Et là, qu'est-ce qu'on a On a le DHCP, ok. Failed, bon, ça c'est pas grave, on l'avait déjà avant. No final module, bon, ça c'est normal, on n'a pas mis de module final dans notre conf. Donc il monte la conf via iOS, et là, roulement de tambour, parce que là on voit bien, hein. Rich Target Cloudinit. Est-ce que ça va passer Configuration success. Ça c'est cool, il a migré la config, nickel. Et là on voit bien, il s'appelle ISPRouter1. Si la config euh, CloudInit n'avait pas été appliquée, il ne s'appellerait pas comme ça. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il a appliqué toute la config. Il a appliqué le hostname, il a appliqué le, euh, le banner. Maintenant, si je fais un show configuration, est-ce il m'a euh, pris les. Euh, oui, il m'a pris les, euh, les NTP. Donc, ça c'est cool. Maintenant qu'il m'a pris les NTP, on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin parce que ça va bien 5 minutes les NTP. Mais. Euh... Mais. Euh... Alors, celui-ci. Normalement, ça c'est plutôt notre ETH0. Si je reviens sur le. Il est où le Cloudinit Hop, il est là. Enfin, pas le Cloudinit, mais le. Euh... Le routeur. Si je fais un petit euh, show interface, on voit bien que j'ai un ETH0. Qui, est, euh, qui a pris une adresse DHCP, mais le ETH1, il a rien. Donc effectivement, on va effacer le DHCP. Hop, oula. T'es où Voilà. Tiens, je vais même zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Et si jamais ça vous intéresse, je vais même vous filer le lien hop, vers la documentation de, de VaioS. Si jamais ça vous intéresse, comme toujours, je la mets dans les liens du live sur le Discord. Euh, pop, 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 Alors, et ensuite, ben, on va, j'ai envie de dire littéralement euh, presque copier ça. Hop. Sauf que on va lui mettre ici, non pas ce que nous a proposé la documentation de iOS mais on va se baser sur ce que m'a indiqué ce que j'avais fait dans Draw.io, donc 10.1.1.0/24 allez copier coller donc en théorie maintenant eh ben, je vais redétruire mon bignou et je devrais avoir à la repop Je devrais avoir une, une ETH1 en 10.1.1.0 euh, slash 24. Euh, D'ailleurs, en fait, il va se planter. Parce que je lui ai donné une adresse de sous-réseau. Je ne lui ai pas donné euh, une adresse. Euh, une adresse, euh, comment dire bah, Une adresse de machine. Donc, je pense qu'il devrait il, devrait, il devrait pas être content. J'ai fait une petite erreur. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc, on va pouvoir voir un peu comment, euh, comment ça se passe. Quelque part, je fais les erreurs en direct pour qu'à la fin, il y ait un repo qui soit propre et que vous n'ayez pas besoin de refaire les erreurs. <laughs> Parce que oui, ce qui est, ce qui est beau avec, euh, avec l'infrastructure Ascode code et avec le fait que ce soit du libvirt euh, euh, que vous pouvez avoir sur votre ordinateur euh, à la maison sous Linux, eh ben, euh, eh ben c'est que vous pouvez prendre le code et, euh, et refaire, euh, refaire la même chose à la maison. Euh, Rebonsoir Manon, tu n'as pas tout suivi. Euh, tu t'étais arrêté où Hop là. Donc si je fais un show interface. Ah bah tiens, déjà euh, il me dit welcome to iOS. Donc déjà il n'a pas tout mis. Si je fais un show configuration. Alors est-ce qu'il m'a gardé Ah bah il a laissé les OK. Donc voilà, dès qu'il y a une erreur visiblement il n'aime pas. Allez. Et on va lui mettre le point 1. Et c'est reparti pour un tour. Alors Manon, vu qu'habituellement toi tu, euh, tu es une habituée des, euh, des lives, euh, donc je suis toujours sur mon labo Ascode. Et, euh, et là, j'essaye de rajouter des infos de configuration CloudInit Init euh, sur, euh, sur mon petit routeur iOS. Et je m'étais un peu planté dans l'adresse IP, euh, IP interne. Donc là, normalement, avec une adresse correcte, j'ose espérer que ça va bien se passer. Euh... C'est le 1 donc normalement, ça devrait être bon. Ah le moins qu'on puisse dire c'est que ça risque d'être changé Manon si au boulot on te, on te mute sur un poste de réseau. Après 14 ans à faire du dev et 6 admin. D'un autre côté, euh, oui. Alors oui, j'imagine qu'après 14 ans de spécialisation, c'est un peu dommage, mais. Effectivement, ça pourrait remplacer, ça pourrait rendre le truc intéressant. Uh, VaiOS, VaiOS, Ah, bah non. Show configuration. Pourquoi il en veut pas Pourquoi il en veut pas Il m'a. Ouais, il a laissé time point Alors. Pourquoi est-ce qu'il en veut pas Parce que pourtant, je lui ai dit. Euh Euh, ah tu hésites, oui bah, je peux comprendre. Il y a de quoi, il y a de quoi hésiter, c'est c'est tu sors de ta zone de confort quelque part. à voir à, voir à quel point ça te, ça te gêne. Euh, pourquoi Parce que si jamais, si jamais je viens ici, euh, pas ici mais si je viens là, si je fais un configure euh, et que je fais un delete on a dit quoi On a dit qu'on faisait un... Euh, hop, ici. Qu'on faisait un delete. On, on va on va le copier-coller direct, tiens. Hop. Ça, il me dit nothing to delete. OK. Normal. Et si je lui rajoute ça... Alors là, faut pas que j'appuie sur entrée. Parce que ce que je veux, c'est lui mettre... 10.1.1.1. Hop. Ouais. Euh... Commit. Ok. Save. Ok. Euh, show. Net... Non, show interface. Et juste. 1, 1, 1. Ok. Alors, ce qui est bien avec iOS, c'est qu'on peut revenir sur les commandes Linux de temps en temps. Inet. Ok. Si je fais un petit p link. IP-Link, il me dit quoi Il me dit que la loopback, oui, est, elle est unknown, normal. Hop, hop. Ok. Donc ça passe. Alors pourquoi ça passe pas avec. Euh, pourquoi ça passe pas dans CloudInit Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais. Je vais décommenter ça. Et ce que je vais peut-être faire, parce que j'ai l'impression que des fois il préfère, je vais lui dire hop, tiens, v'là des. Euh, des côtes. hop. Voilà. Et on va recommencer. Alors j'avais fait j'avais fait des tests pendant un temps entre, entre deux streams sur une autre machine. Donc j'ai euh, un léger fichier de, de conf cloud init. Euh, la question c'est... Euh, ce j'avais eu des blagues comme ça aussi. Oula la machine. Euh, la machine ne prenait pas la conf. Alors, comment je m'y étais pris ah Bah justement, ça faisait partie des trucs que ça faisait partie des trucs que je n'avais pas encore résolu. Alors, maintenant après le problème, en vrai, ah oui, t'as pas le temps d'être experte. Oh bah euh, ça dépend si tu veux être experte dans un domaine ou euh, ou généraliste. Hein. Ça après c'est, Il euh... n'y a pas de mal à être euh, ce qu'on peut appeler en anglais un jack of all trades. Alors, iOS, hein, iOS. Ah, là, j'ai le. Euh... J'ai le petit. Euh... J'ai le petit message. Et si je fais un show configuration. Voilà. Il m'a mis l'interface. Ok. Donc, a priori, il ne veut, euh... veut pas du delete interfaces. Ok. Il n'en veut pas. Je vais le laisser là. Je vais le laisser en commentaire. Euh, je vais peut-être même rajouter un commentaire avant. Euh. Voilà. Ce qu'on peut même faire, c'est pousser le bouchon un petit peu plus loin. Et on va paramétrer. On va paramétrer l'heure. Enfin l'heure. Le fuseau horaire. Enfin, cette système, alors quand j'avais mis time zone. Et c'est E T C slash UTC parce que moi j'aime bien mettre les choses en UTC. Si je reviens ici et que je refais un petit show configuration. Hop. Et qu'on descend un petit peu. Système. Euh, tiens, il m'a mis que le. Que le pool 2. Mais il ne m'indique pas. Si j'utilise la commande date. Voilà, il, oh, il me dit UTC. Ok, cool. Bon. Euh, et il m'a donné que le 2, tiens. Il n'a pas mis le premier. Back. Ok. Non, il m'a mis que le NTP. Ok. C'est chelou ça. Chelou. Ce que je vais peut-être faire dans ce cas-là, euh, je vais essayer un truc. Tiens, hein. hop. On va essayer ça. Normalement, je sais qu'il y en a un 3, Et puis on va, euh, hop, on détruit, et on recommence. Hop. Donc là, il se, il s'enlève. Hop, voilà. Il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à, il y a plus cas Roulement de tambour. Est-ce que, est-ce que ça va être pris en compte C'est, c'est un peu. Euh... C'est un peu la question à chaque fois, le, euh, le est-ce que à chaque fois que je rajoute une conf, ça va pas en enlever d'autres J'ai l'impression que Cloud Init avec, euh, avec iOS, c'est pas toujours... Il euh, ne euh, faut pas trop le brusquer. Mais, euh, mais on est un peu là aussi pour le brusquer, hein, pour, voir, pour voir quelles sont les limites. Hein. Tiens, je vais en, en profiter. Euh, je ne sais pas si, euh, si tout le monde est, euh, est globalement au courant, mais euh, cette semaine, enfin je dirais même euh, il y a deux jours, euh, la distribution Fedora a sorti sa version majeure 36. D'ailleurs on l'a vu, hein, puisque je l'ai passé sur le, euh, sur le lab, en tout cas sur, euh, sur l'une des DVM, et j'ai commencé à migrer, euh, entre guillemets, mon, mon parc perso euh, de Fedora en Fedora 36. Globalement ça se passe bien. Hop. Le plus gros problème que j'ai eu, c'est un problème matériel. Enfin, de... un problème de carte Wi-Fi qui, de toute façon, posait problème avant. Tiens, il n'en veut toujours pas. Hein. Il a mis que le 2. Hop. Et il a mis Time Zone. Ok. Et euh, au niveau de la conf, on a bien ça. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant. Maintenant, on va pouvoir avancer. Si je n'éternue pas, on va pouvoir avancer. Et euh, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir mettre en place. Euh, on va aller dans le quick start parce que je crois que c'est dispo dans le quick start. Tout simplement, euh, on va faire. Euh, hop. Ah oui, c'est vrai que le, ouais, le, euh, ça, j'aimerais bien le, le mettre. Euh, on verra après les descriptions, je pense. Euh, non, on va peut-être les mettre maintenant. Je vais les mettre maintenant parce que ensuite, ce que je voudrais faire... Ce que je voudrais faire... Euh, hop, on va le mettre là. C'est justement euh, configurer... Euh, configurer le, euh, le, le réseau pour qu'il y ait le serveur DHCP, qui est la passerelle par défaut, ce genre de choses-là. Euh, et... Euh... Mais lui, on va l'appeler inside, hein. Hop, pour l'instant. Et... Euh... Hop. Et c'est reparti pour un tour. Hop. Ah. Comme ça, ensuite... Ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura notre DHCP qui fonctionne, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, cette machine-là, pour le moment, j'ai pas vraiment de moyen d'accès à cette machine-là sous Fedora, qui est dans, le qui est, qui est dans le, le, la deuxième VM. Et donc, elle va récupérer une IP. Et on va pouvoir aussi lui mettre du Cloud Init. Et une fois on lui a, elle aura récupéré une IP en DHCP et qu'on lui aura mis du Cloud Init, on va pouvoir y accéder. On va pouvoir s'assurer que tout fonctionne, qu'elle peut sortir. Alors, roulement de tambour. Est-ce que ça va fonctionner Parce que là, j'y suis allé à deux commandes d'un coup. Hein. J'y suis allé à deux commandes d'un coup. Ah, je crois que je me suis trompé dans le login. Mieux. Alors. Description inside. Le TH1 par contre il n'a rien mis. Il a pris la banner. Il a toujours mis qu'un seul NTP. Et il a mis la time zone. Bon on va on, on va partir du principe que ça reste un succès. Ce que je vais peut-être faire. Je vais mettre ça en commentaire s'il si ne le prend pas. Ça sert à rien de. C'est quand même bizarre. Euh, donc, maintenant que lui. Ah, mais c'est parce que je l'ai. Oh, punaise. Ok. Donc, c'est le ETH1 qu'il faut mettre en inside. Bon. Et du coup, moulin il m'a mis, mis inside ou il m'a mis outside Il l'a appelé. Il l'a appelé. Ah, il l'a appelé inside. Logique. Logique. Euh, maintenant qu'on a mis ça on va reprendre notre, euh, hop, notre documentation ios euh, bon ça on sait déjà mais c'est surtout celui ci là qui m'intéresse donc on va pouvoir euh, on va faire un petit euh, hop. On va faire un petit copier coller qu'on va mettre ici et on va modifier ça parce que bon euh. services service DHCP server, Network Name. Bah, du coup, c'est inside. Hop. Voilà. Voilà. Et ensuite, euh, on va changer le subnet. Voilà. Et on va le remplacer par 10.1.1.0. Voilà. Ensuite, bah, le défaut routeur ici, on va lui dire que c'est autre chose. Ah, J'aurais peut-être pu changer tous les... Euh, euh Alors tous les 192.168.0. Voilà, on va les remplacer par 10.1.1. Voilà. Très bien. Euh, le domaine name, ça va être... Euh, pour le moment, ça va être. On va dire isp1.example.com. Voilà. Et on n'a plus qu'à rajouter... On n'a plus qu'à rajouter ça. Comme ça, là, normalement. Alors, malheureusement... Enfin, malheureusement. Ce que je me dis, c'est que si ça se trouve, il faudrait que j'y aille une commande par une commande. Mais... Hum, mais on va bien voir. Hum, ceci étant... L'ID euh, DNS forwarding. Hello from. Ouais, ok, listen address. Ok. Et euh, le name server. Oui, logique. Et comme lui, de toute façon, il a, il a son, son ETH0 en DHCP. Normalement, c'est censé être bon. On va bien voir. Hein. On va tester. Allez, c'est reparti pour un tour. On détruit, on recommence. Est-ce qu'il va me configurer tout ça proprement Bon, c'est un peu répétitif. Mais... Alors, je me posais la question, est-ce que je ne devrais pas changer l'ordre de mes interfaces Et que je ne devrais pas faire en sorte que l'ETH0 soit toujours... Celui, du, euh, celui vers l'interne comme ça ce serait toujours consistant parce que là le TH0 c'est lui donc c'est un peu dommage je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire dans le chat mais on pourrait peut-être euh, intervertir les, euh, les interfaces Oui bien sûr, en fait euh, là sur le schéma tu vois euh, le routeur à la terme il va avoir quatre, quatre interfaces. Euh, celui d'en face aussi, la plupart vont en avoir toujours au moins trois. Et euh, je me demandais si j'allais pas faire en sorte, pour avoir euh, un, un adressage entre guillemets euh, consistant, que euh, bah, justement celle qui est tout le temps, euh, tout le temps euh, vers l'interne, ce soit la ETH0. Ah, là il s'appelle Debian. Ouh Et il a dit qu'il a fail. Euh... Là s'il s'appelle Debian. Ah il me donne même pas... Ah oui, punaise. Je crois que je l'ai vraiment tout cassé. Oui, c'est une convention, on est d'accord, donc je peux. Euh... Je peux. Euh, je peux la changer. Bon, alors, visiblement, il n'a pas aimé ce que j'ai mis. Alors... Euh, alors oui, alors surtout qu'en plus moi tu vois je l'ai même pas je l'ai même pas mis en 254, je l'ai mis en point .1. <laughs> euh, bah écoute dans ce cas là on va peut-être faire ça On va peut-être faire ça euh... <laughs> oh, tout de suite euh... Alors Ce qu'on va faire, c'est que bon, ça va être la ETH1 qui va aller sur Outside. Ça va être la ETH0 qui va être en inside. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier ça au niveau de Terraform. Puisque en fait ici, on voit bien, il y a default et ISP1 net1. Et en fait, il les prend dans l'ordre. Donc la première fois qu'il le voit, c'est ETH0. La deuxième fois, c'est ETH1. Donc j'ai juste à faire un petit... Euh euh, hop. Hop. Voilà. Allez. Euh, T'es ici. Alors par contre, vu qu'il a tout cassé, je vais, ce que je vais peut-être faire, c'est que pour le moment... Euh, comment il me l'a pris Comment il l'a mis dans la doc Au début, il a mis quand même un. Ah, faut peut-être que je le laisse en LAN. Je vais peut-être remettre les. Alors, deux points. Hop là. Voilà. Euh, on va quand même par précaution. Ouais on va essayer comme ça on va voir ce que ça donne. Allez, c'est reparti. Donc il détruit et il recrée. Alors, disons, disons que ouais, l'IP en point 254 euh, sur le, le routeur en, en Slash 24, euh, c'est une convention. Je suis assez d'accord. Ça, ça m'arrive d'ailleurs de la respecter. Mais là dans ce cas précis pour le moment je ne la respecte pas. On verra après si je peux si je peux y faire quelque chose. <laughs> je peux faire des beaux trucs et tout casser pour faire plus beau encore, tout à fait Manon. Tout à fait. Et on va espérer que on va espérer que ça fonctionne cette fois-ci. Alors. Alors, j'y ai pensé, figure-toi, euh, à des sous-réseaux plus petits. Mais comme j'ai envie d'avoir un truc qui soit un peu. Euh, qui soit un peu... Euh... Non mais en fait, des slash 30 par exemple, euh, euh, ça pourrait être une idée entre mes, euh, entre mes routeurs en interco. J'aurais très bien pu utiliser une, une, plage, euh, une plage où je mettais que des slash 30. Sauf que, euh, en fait, moi, ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est d'avoir un truc qui ressemble à, entre guillemets, qui ressemble à Internet. Et euh, sur Internet, tu peux pas annoncer, euh, en routage public euh, BGP, tu peux pas annoncer des slash 30. Tu es obligé d'annoncer au moins des slash 24. Donc, c'est pour ça que, en fait, j'ai voulu mettre des slash 24, d'une part. Et d'autre part, je ne m'interdis pas une fois que j'aurai réussi à faire ce, déjà ce, ce lot de 6 routeurs et, et de quelques services à côté, j'aimerais bien essayer ensuite d'en avoir deux au lieu d'un de routeurs de bordure sur, sur peut-être un des, un, des, un des fournisseurs d'accès. J'aimerais bien essayer. Donc ça pourrait être intéressant. Donc là à ce moment-là, avoir plus d'IP, ça peut être une bonne, une bonne chose. Et il a encore mis Debian. Euh, pop 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 pop. iOS, iOS. Et là, patatras. Ok. Donc, euh, donc Houston, nous avons un problème. Alors. Et bien, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, hop, tout mettre en commentaire, sauf une, et puis on va y aller une à une en fait. On va peut-être pas non plus y aller une à une euh, tout, tout, tout ce soir. Hein. Alors, déjà, je vais remettre ça. On va voir déjà si ça, ça passe. Ça, c'est ce qu'on avait avant. Donc, déjà, est-ce que ça, ça repasse Parce On sait jamais. Hein. Des fois, sur un malentendu, les trucs ne même plus. C'est euh, du n'importe quoi. En fait, je me demande si c'est pas des fois quand il y, euh, y a les côtes qui manquent aussi. Donc, on va mettre les, la côte ici. Voilà. Euh, là il y a des côtes, là il y a des côtes. Ok. Hop. Alors, il en est où dans son redémarrage. Et ensuite. Hein. Et ensuite on pourra passer un par un. Alors, à moins que ce soit carrément les subnets qu'il faut mettre entre. Euh, entre euh, entre côtes aussi peut-être. Après ce que je pourrais peut-être tenter, c'est euh, d'utiliser... Euh, c'est juste de mettre le, le forwarding, juste d'avoir des IP, pas forcément mettre de DHCP, et essayer de configurer une IP fixe sur l'autre euh, euh, machine. Histoire d'avoir un truc un petit peu sympa ce soir, quoi. Oui, je pense déjà au plan B. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut mal se passer. <laughs> <laughs> Alors, c'est quand même euh... OK. Alors Là, il a il a il a monté la config, c'est plutôt intéressant. Ça a l'air d'être plutôt rassurant. Configuration success, ISP router 1. Donc, ça déjà c'est pas mal. Show configuration. Voilà. Donc, ETH 0 inside en 10.1. Ok. ETH 1 outside. Et il n'a pas l'air de. Bah oui, non mais c'est ça conf. Donc, forcément. Euh... Euh... J'ai ça ok j'ai le pool salut à toi jonathan donc ça c'est plutôt bon signe et puis si je fais un show interface on voit bien ah tiens l'ETH1 il n'a rien du tout ça ça m'ennuie ouais il sort il sort pas ok donc il va falloir que j'aille rajouter une conf et que je lui dise la ETH1 alors ce qu'on va faire c'est alors, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici, on ne va pas lui dire un dilette, hein. on va lui mettre un 7. Et euh, le th1, ce sera dhcp. Voilà. On repart. ça déjà oui parce que par défaut il va vouloir mettre sur le euh, thé de la ah va... ah oui mais alors peut-être que parce que je lui ai dit oui mais on a vu qu'il fallait pas faire un delete. il était pas content quand on faisait un delete de l'interface enfin un delete de l'ip de l'interface c'est marrant hein, toutes les petites euh les petites subtilités qu'on apprend comme ça en essayant euh, pas à pas de vouloir faire fonctionner euh, ce petit labo réseau qui, euh, pour le moment, n'en est... À... En est à... Je recommence. Ce petit labo réseau qui, pour le moment, n'en est qu'à ses débuts. Enfin, qu'à ses débuts, façon de parler, parce que, bon, j'ai euh, quand même l'ancien labo réseau, qui est sur une autre euh, machine, qu'on garde pour le moment au cas où, pour jouer au jeu des 7 erreurs plus tard. Mais... Euh... Il en est cassé, début. Oh oh oh, magnifique! Magnifique, Manon! Bravo! Bravo, bien joué. Alors, il, il, il a l'air de franchement prendre son temps là sur le, le DHCP. Est-ce que je me suis trompé dans les trucs? ETH1 en DHCP. ETH1, c'est outside. ETH0 c'est inside, ok. Ah bah il a fini par le faire. Qu ah non, killed. Bon, a priori il a, il a mis la config. Ah ou alors non, c'était peut-être une autre interface qu'il configurait. Configuration success. Ça c'est plutôt rassurant. Voilà. Show. On enfin, fait un show interface tout de suite. Et il me dit ETH1 sans. Ok, outside. Nickel. Et maintenant, si je fais un show configuration, j'ai bien mon inside. J'ai bien mon outside en DHCP. Et. Ok, j'ai le reste. Parfait. Maintenant, on va pouvoir. Hop. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe est-ce que ça va lui suffire euh... Remarque ce que je peux faire tout de suite. Je peux vérifier si déjà la commande seule elle passe. On va, on va la copier. On va aller la donner à manger ici. On va faire un configure. Voilà. On lui dit ça. On rajoute une côte à la fin. Il est content. Si je suis un commit, il est content ou pas Il dit no DHCP address range or active static mapping configured within shared network. Ok. Donc, ça en fait, il faudrait le mettre plus tard. Il faudrait lui dire. Euh... Il faudrait lui dire d'abord, sans doute. Euh, il dit quoi Il veut. Il n'y a pas d'adresse range. Donc, s'il n'y a pas d'adresse range, ça veut dire qu'il il lui faut le range de début. Hop, qu'on va mettre ici. Voilà. Il lui faut le range de fin. Donc stop. Qu'on va mettre ici. Voilà. Et là, si je commit, là si je commit, ça passe. Donc, ça veut dire que il me faut ça et il me faut ça. Et on va faire on va les mettre ici donc ça a priori euh, comme ça ça passe donc on va retenter et on va voir si ça casse encore ou pas roulement de tambour va vraiment falloir que j'en mette un vrai hein Hop, je sais bien qu'il me manquait un truc. Alors. Donc, il va encore mettre trois plombes à me, euh, à me détecter toute la partie réseau des HCP. Parce que sinon c'est pas drôle. question. C'est une bonne question. Est-ce qu'avec une IP fixe ça, ce serait pas plus rapide Tastante. Tastante. On... on pourra on pourra tester après. Je pourrais lui mettre un, un 192 122 quelque chose et il faudra que je lui donne par contre du coup euh, le euh, la route statique. Euh... Bah, je pense que c'est ça, c'est di le Discover hein, qui prend du temps. En fait, je me demande d'ailleurs si c'est pas le Discover de l'ETH0 qui est sur un réseau où il n'y a pas de DHCP. Avant qu'il me l'applique à la, la conf Cloudinit. Ce qui veut dire que dans tous les cas, il euh, y aurait un. Il y aurait de toute façon une attente. Alors là, j'ai. Euh... J'ai un truc, ça a l'air pas mal. J'ai un truc, ça a l'air pas mal. Et pourquoi il me l'a mis en 10 là Pourquoi il m'a mis 2 IP C'est quoi cette blague Ouais, il m'a mis deux IP. J'ai dû, dû foirer un truc dans ma conf. Euh... Parce que... Je... Il ne se serait pas pris une IP pour lui tout seul, quand même. Le default router. Le... Alors, si je regarde la conf, je regardais la conf, hein. Show configuration. Alors, inside, 1.1. Outside, ok. Loopback, ok. Le subnet, start, stop. Bon. Rien qui indique un 10.1.1.10. 10, Name server ETH1 ETH0 ah ça c'est chelou c'est chelou ça euh... ah de toute façon il faudra peut-être que je lui mette non attends mhm mm Bon, on va bien voir. Euh, là, je suppose que si je fais un ping vers 1.1. Ah non, tiens, ça passe pas. IP euh, route chaud. Et là, il me dit que la route par défaut. Hmm. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Je suis tenté d'aller redémarrer le, le lab de l'autre machine. Hop là, pour aller voir comment ça comment je l'avais mis en place. Euh... Alors ce qu'on va peut-être faire maintenant, c'est placer ça. Ça. et ça. On va voir ce que ça donne. Allez. On va être optimiste. Et pendant ce temps, je vais aller sur hop, Marvin, l'hyperviseur de euh, du lab historique et on va prendre routeur 0 ISP1. Hop, on va lui mettre euh, mais attends, on va pas s'embêter la vie, on va, on, va, on va rester ici dans des terminaux un petit peu plus, euh, plus grands. Alors, euh, déjà d'une, lui, il est en train de démarrer, ok, cool. Euh, hop, on va aller voir, hop, on va un petit Emux au cas où. Euh, List, grep, router, on va pas s'embêter. Et console prendre celui-là. Ah, il n'a pas fini de démarrer. Pendant ce temps, lui, est-ce qu'il a démarré Il est en cours. Il est en cours. Alors pour l'anecdote, euh, pendant que ça démarre, je vais en profiter pour, pour faire encore un peu d'auto-promotion, mais pas pour le même sujet. Euh, lorsque j'avais euh, démarré mon, euh, mon Home Lab, justement... Euh, stream euh, j'avais euh, j'avais fait un petit outil euh, un petit outil justement pour me faciliter le démarrage de euh, toutes les euh, toutes les machines et ce petit outil c'est Runlab et j'ai rajouté quelques euh, quelques petits trucs récemment dedans alors euh, pas forcément des fonctionnalités mais j'ai rajouté un petit peu de documentation et avec l'installation maintenant il y a des pages de manuel j'en suis assez, euh, assez content euh, certains ont pu voir j'ai envoyé un screenshot sur, sur Twitter de ma, de ma page de manuel et en fait, ce qui est assez sympa, c'est que en fait, dans mon répertoire doc, j'ai deux fichiers au format markdown. Donc on peut les ouvrir d'ailleurs sur, sur GitHub, et on peut voir que ce qui est assez sympa, c'est comme c'est une source en markdown, eh ben, euh, le truc est assez lisible en markdown. Et euh, si jamais on installe euh, Runlab sur sa machine, eh bien, on aura des pages de manuel, et on pourra faire man Runlab. Pour le, euh, pour le logiciel et man run la bercée pour le fichier de configuration. Euh, ce que j'espère faire ensuite, c'est euh, rajouter quelques, petites, euh, quelques petits trucs pour faciliter le développement, justement pour la, la conversion du markdown vers le format man, et, euh, et quelques trucs notamment parce que j'utilise shellcheck pour vérifier que mon, euh, mon fichier runlab.sh il est correct, et eh bien euh, ce que, euh, ce que j'espère, c'est euh, bientôt pouvoir mettre un petit, justement un petit site sur les GitHub Pages, et, euh, et ensuite euh, sortir la release 0.1.0. Voilà, voilou donc si jamais, euh, si jamais, ça vous intéresse de mettre en place votre des petits comme ça, des petits labos réseau dans Libvirt, eh bien. Runlab peut, euh, peut vous aider à, 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 à faciliter la tâche. Et c'est comme ça que là, en un instant, j'ai démarré tout le lab en fait, en une seule commande. Euh, J'avais démarré tout mon, euh, tout mon ancien labo. Bien, pendant ce temps, lui, il a démarré. Hop. Alors, show interface. Qu'est-ce qu'il me dit Ok. Cette fois-ci, c'est la 9. C'est bizarre, ça. J'ai l'impression que la ETH0. Ah, mais en fait, la ETH0, elle doit avoir, elle doit avoir gardé le DHCP. Donc, elle a l'IP et elle a du DHCP en plus. Du coup, le serveur DHCP qui est sur la même interface lui sert une IP. Et le serpent qui se mord la queue. Ouais, l'instruction DHCP est restée. Euh, pendant ce temps, lui. Voilà. J'avais mis quoi d'ailleurs, tiens, lui, euh, si je fais un show interface. Euh, J'avais mis ETH0 en outside. Ouais. Mais euh, bon, je suis pas forcément. Euh... Pas forcément fan. Euh... Donc du coup il faudrait que je lui euh, dilette... Alors je vais essayer ça quand même. Hein. Ligne 10. De quoi ligne 10 Non, ça c'est bon. Ça c'est le outside. C'est lui là. En fait. Euh, on va peut-être faire ça. On va, on va essayer ça comme ça. Voilà. On va voir si... Euh, je vais remettre le commentaire juste ici au cas où. Et on va, re, euh, on va tout redésinguer. Re et pendant ce temps-là, je voudrais revérifier un truc ici. Donc, je l'avais mis ça et en config. Qu'est-ce qu'on lui avait mis Ça, c'était des règles, ça, c'était des règles de firewall. Donc, on l'avait appelé, ah oui, on l'avait appelé outside. Lui, on l'avait appelé ISP1PubNet. Et est-ce qu'il y a des règles de DHCP quelque part Là, il y a du BGP, il y a du NAT. Euh, ça, c'est encore du BGP. Route statique, ok. Ah, il faudra peut-être que... Oui, effectivement, je rajoute la route statique. Euh, ça, c'est le quoi C'est le, le SNMP, on s'en fiche pour le moment. Euh, c'est bizarre, il est où Ah, attends, Firewall, Non. 20. Il est où le DHCP là-dessus SNMP, oui, c'est toujours d'actualité. Euh, par contre, il faut utiliser SNMP V3. Hein. Euh... Parce que là, oui, lui, il est en DHCP, entre guillemets, client. Mais j'ai pas mis de DHCP serveur, a priori, là-dessus. Je lui ai dit, débrouille-toi. Ok. J'ai tout laissé en statique, en fait. Très bien. Et eh ben on va voir euh, si, euh, si j'arrive à faire du DHCP ce soir. Alors, hop, c'était quoi le truc ici là ETH0 up true ETH1 up false. Oh. Ouais mon IPv6 on s'en fiche. A priori, il a, il, a, il a mis en place la config. Ça, c'est plutôt, euh, plutôt rassurant. Configuration success. Je suis optimiste. Je suis optimiste. Alors, un petit show interface. Est-ce qu'on a encore des blagues Non, on n'a plus de blagues. Là, il n'y a qu'une IP sur ETH0. Il n'y et a qu'une IP sur ETH1. Euh, si je fais un show... Si je fais un show hyper route ça passe? Ouais ça passe. Quoi on n'a plus de blagues Mais si il y a toujours des blagues en stock, enfin Il y en a toujours. Et donc on a la route. A priori on a la route par défaut. On l'a. Donc si je fais un ping 1.1. Ça sort Yes Ça sort. C'est cool. Hop là. Ensuite, si je fais un petit show configuration. Alors, donc... Là, j'ai le inside. Ok. Là, j'ai le outside. Tout va bien. Et là, j'ai mon DHCP serveur. Ok, super. J'ai le petit forwarding. Nickel. Alors, si je fais un host euh, LinuxAffaire.org, excellent site. Ok. Il a pu sortir il a pu donner l'IP de Linux Affaire. Donc, euh, donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc niveau, DHC, niveau DNS, il a, il, a bien, euh, il a bien pris ce que lui a servi le DHCP. Et ça c'est cool. En fait c'est un TP ou c'est un Escape Game. Et Nils a réussi à sortir. <laughs> eh, c'est sympa les Escape Games, hein moi j'aime bien. Euh, on va pouvoir mettre maintenant du NAT, justement. Parce qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que moi qui sorte. Il faut aussi qu'il y ait l'autre machine, vous savez, le petit VPS là sous, sous Fedora 36. Donc effectivement, on va rajouter ça euh, pour faire juste un petit nat basique. Les miens sont un peu durs. Mes escape game, ah bon Ah oh euh, bon, il faut dire aussi que des fois je cherche... Je, je cherche pas forcément le chemin le plus, euh, le plus rapide. Hein. Faut monter toute une infra avant. <laughs> Ah oh, ça va euh... Alors, donc là on va mettre ETH1 parce que c'est le outbound. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être comment... commencer à mettre quelques commentaires. Donc... Euh... Voilà, ici on va mettre, on va mettre system configuration. Voilà, et ensuite ici on va mettre hop, DHCP server for euh, local network. Et hop, on va mettre ETH. Hop là. Euh, bah non, ça sera ETH0. Euh hop. Euh pop 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 Hop et ici on va mettre euh eh ben c'est euh, du NAT. Hop là. TH1, la source adresse. Hop c'est 10.1.0 slash n4 Ça c'est plutôt pas mal. Et il n'y a plus qu'à espérer que ça passe. Voilà. Là, je suis assez confiant maintenant. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre d'intéressant comme, comme conf sur, sur l'ancien lab Parce que tant qu'à faire. Il y avait des règles de firewalling, j'ai l'impression. All ping enable, broadcast ping disable, config trap, log martian, Ouais, ok. Ouais, c'était surtout le. J'avais vu un truc tout à l'heure qui avait l'air intéressant. De quoi Ouch! Les règles de fire rolling. Euh... Euh, alors pour être honnête, euh, je vais pas forcément le mettre maintenant. Hein. Euh... Ouais, alors IP j'en fais plus beaucoup pour être honnête. Mais à la limite, si euh, si là, si je regarde la documentation, on va zoomer un peu, il propose il propose ça un peu comme euh, comme façon de faire. Mais après, je pense que c'est parce que la syntaxe étant inspirée des routeurs Juniper euh, et que ce truc, euh, oui, ça va, ça va. Euh... Non, il en est où Alors pour le moment, je laisse, je laisse le réseau ici, là je lui dis, euh, euh, uniquement le slash 24. Mais si on regarde le euh, si on regarde le schéma, si je reviens sur le schéma, donc on est ici, et euh, en fait à terme va y avoir tous ces routeurs là qui seront connectés avec du, de l'adressage en 10.0 en 10. quelque chose Il va y avoir plein d'adressage en 10. quelque chose euh, tout en bas et en fait euh, ce que j'avais fait moi sur l'ancien lab qui, alors qui n'était pas comme ça tout à fait mais qui avait quand même deux machines ici pareil qui faisaient du nat pour tout le monde et eh bien euh, j'avais mis euh, j'avais autorisé 10.0.0.0 slash donc j'avais autorisé tout toute la plage 10 à sortir par, par ces machines et à être natté. C'est probablement ce que je vais faire ensuite, parce que ici, normalement, il n'y aura pas de nat pour sortir. Là, pour le moment, je lui dis, euh, je lui dis pour sortir, je crois, là, tu vas, tu vas être natté. Mais normalement, lui ensuite, pour aller en face, il devra normalement ne pas être natté. On pourra le vérifier. Alors, il en est où Configu Ah, configuration error. Euh, configuration error. Ça, c'est ennuyeux. Show interface. Alors, les interfaces sont bonnes. Lui, il sort sur Internet. Linux à faire, on l'a. Alors, qu'est-ce qui manque euh, Je pense que ça va être la partie NAT qui doit, qui doit poser problème. Ah, outside service dhcp ok dns forwarding ok euh... système ISP router 1 on a toujours notre truc syslogs timezone ouais donc en fait c'est ça hein. c'est notre a priori c'est le nat qui euh, qui n'est pas passé alors pourquoi est ce qu'il n'est pas passé euh... ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller à la main on va voir un peu qu'est ce qu'il aime pas alors, hop, non, pas ici, pas là, ici, hop. Donc, je me mets ici, puis je suis un petit configure. Ça, il est d'accord, il en veut. Ça, il est d'accord aussi. Jusque là, tout va bien. Et là, il est d'accord, et si je commit, si je commit, il est d'accord. Ah, zut. Bon, je l'ai pas save, mais ok. Euh, donc là j'ai mon inside, j'ai mon outside, ok. Loop back, nat source. Ouais, il me, il me le prend, hein. Il est d'accord. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'il a pas aimé Parce qu'il y a que ça hein, qu'il a pas pris en compte comme euh... il y a que ça qu'il a pas aimé en fait. Pourquoi il a pas aimé J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre et en plus euh, j'ai pas eu de message particulier. Euh... Alors éventuellement, ce qu'on peut peut-être faire est-ce qu'on va pas essayer d'aller le mettre genre euh, ici On va essayer ça. Et on va voir si ça si ça si ça change quelque chose. Et après ça je pense qu'on va passer sur le euh, sur la machine d'à côté et on va lui faire aussi un petit peu de cloudinite parce que ça pourrait être sympa quand même d'essayer d'avoir de, les deux machines qui se joignent. <coughs> Alors, il prend toujours son temps sur les... Euh, sur le réseau. Et éventuellement, pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut d'ores et déjà quitter ce fichier-là. Et ici... Euh, Euh, et on va l'appeler, euh, on va l'appeler bah, ISP1 VPS1 pour le moment. Voilà. Euh... On va dire étoile data. Hop, et ISP1 VPS1 slash est-ce que ça passe comme ça Ouais, ça passe. Donc, uh, ISP. Ah, ah Alors, c'est lequel Alors, pour le moment, on va faire ça. Voilà. Et là, on va dire. Donc, ce qu'on va aller dire, c'est que routeur 1, on va le remplacer par VPS 1. Voilà. Et là, on va faire... On efface tout parce que c'est pas la même machine. Voilà. Comme ça, ça, ça c'est le routeur. Mais à limite maintenant, en fait, vu que j'ai mis les... Euh... Parce que les metadata, une fois que c'est fait une fois, il n'y a, a pas à s'embêter la vie. Donc, ce que je peux faire, c'est faire juste les user data en fait. Et donc ce que je peux faire c'est faire étoile étoile slash user-data. Voilà, mieux. Donc, pendant que je faisais, je jouais avec ça. Et il a refail. Ok, il a refail. Alors. Ça il me l'a toujours mis. Ok. Ça c'est bon. Alors, les interfaces, c'est bon. Le DHCP c'est bon, le DNS c'est bon, il n'y a que le NAT, il n'y a que le NAT qui ne marche pas. Bon, euh... au lieu de bloquer sur le NAT pendant encore une demi-heure, on va aller, euh, on va aller euh, faire un petit peu de conf ici euh, pour, euh, pour euh, l'autre machine. Alors, la conf qu'on va mettre, elle va être relativement simple dans, dans l'immédiat, on va juste configurer un user. Hop qui va s'appeler euh, Niels. Hop, son UID, je vais lui... Euh, wow, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter, on va juste mettre un plain text, plain text euh, passwd. Et on va lui mettre euh, password. Les habitués de la chaîne savent que euh, sur tout ce qui est lab à la con comme ça, je mets, je mets juste password mais je m'embête pas la vie euh, pas plus euh, juste un petit truc qu'on pourrait se rajouter sur la fin c'est faire un petit run cmd et euh... Ah non on va mettre un final message plutôt comme ça on, on verra le euh, final message hop et on va lui dire another home page isp VPS1, voilà. Si on le voit passer comme ça, on saura qu'on est bon. Je vais revenir du coup sur ma conf Terraform ici. Et euh... et donc si je reviens sur ma conf Terraform, donc j'ai un volume, j'ai un volume, j'ai un deuxième volume, j'ai un troisième volume. Celui-ci, il a l'air d'être généré dynamiquement. Euh, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. Euh, et là j'ai des templates files donc je vais peut-être commencer à faire joujou et à, à faire du. Hop. On va copier ça et on va le coller ici. Et au lieu de dire ISP router 1, enfin ISP 1 router 1, on va l'appeler VPS. Hop. hop, ici aussi. Voilà. Et euh, mon. Euh... J'ai mon CloudInit ici. Donc là, j'ai mon routeur et là, j'ai mon VPS. Et, mon v... et normalement, j'avais mis le cloud CloudInit juste ici. Sauf que. Sauf que. Euh, j'avais mis un truc en commentaire, je crois, ici. J'avais mis var.hostname. Je crois pas que le hostname, je l'ai en var quelque part, non? Euh... Est-ce que. Euh... Est-ce que ça se tente comme ça euh... Alors Je sais, je fais, je fais des allers-retours, ça ne doit, se... doit pas être fun à l'écran, mais ça m'aide à réfléchir. Promis. Euh. Ah, parce que là il y a écrit ISP1 routeur1. Je pense qu'il va m'enguirlander euh, Terraform si je fais ça. Euh... Ah bien voilà des erreurs. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Une input variable avec le nom hostname n'a pas été déclarée. Cette variable doit être déclarée avec un bloc variable hostname. Ouais, c'est ce que je me disais. Euh, donc il faut que je vois euh, comment est-ce que je peux lui dire. Euh, ou alors. Hmm. Euh, je l'avais dit comment pour le disque J'avais fait libvirtvolumeisp C'est J'avais fait J'avais fait ça donc à la limite Ah voyez, parce qu'en plus là j'avais mis esp1 donc il va falloir que j'en crée un deuxième en fait Il faut que j'en crée un deuxième donc pour le moment Alors ça va être moche euh, Je vais même enlever ça Ici on va l'appeler non, pas common init, mais on va l'appeler isp1 hop, router1 underscore. Je vais l'appeler euh, cinit plutôt, ce sera plus court. Par contre, par contre ce qui va se passer, c'est que quelque part en bas, euh, ce sera pas common init.id, ce sera cinit libvirt underscore cloudinit underscore disk.cinit. Euh, Lidvirt cloud init -Disk, ok, et là ensuite ce que je peux faire c'est faire, hop, et on va aller mettre ça, euh, bah on va le mettre juste dessous, on hein. pas s'embêter la vie, ce sera dommage, et lui par contre on va l'appeler, alors je sais ça fait beaucoup, de... ça c'est dupliqué, pour le moment je ne variabilise pas des masses, je ne fais pas des masses de listes, mais une fois que ce sera vu comme ça, ça marche comme ça, on va pouvoir euh, essayer de le. Euh, de l'améliorer. Euh, alors, si je reviens ici et que je fais un petit Terraform validate, il est toujours pas content. Invalid value. Alors, isp en ligne 36. Ligne 36. Qu'est-ce qui te plaît pas? Template file. Tac-tac-tac. ISP1 VPS1. Invalid value. For pass parameter. No file exists at isp Ah! Je me serais trompé alors. Euh, je me serais trompé. Alors. Cloud init. Ah oui, c'est parce qu'effectivement. Ah, je me suis trompé. Hop. Alors. Ici. Voilà. MVISP VPS1. On va l'appeler ISP1 VPS1. Voilà. Donc là maintenant, si je retente ma chance. Ok, il y a déjà moins d'erreurs. Donc je, ref je fais une référence à une ressource qui n'est pas déclarée. Qui est ici. C'est init. Euh, libvirt Cloud Init Disk. Ah. Ah bah oui. Oui, parce que maintenant il s'appelle ISP1 router1 underscore C init. Ici. ISP1 router1 underscore C init. Et donc plus bas, sur l'autre machine, ici, bah, ce sera d'ailleurs pas common init. Ce sera ISP1 VPS1 underscore C init. Voilà. J'espère que tout le monde arrive à suivre. Et c'est valide! Et c'est valide. Alors on, va, on va revenir un instant. J'ai donc créé deux, euh, deux ressources qui sont des disques Cloudinit qui vont être attachés aux machines virtuelles. Ce sont des images ISO qui vont être générées à partir du fichier de metadata et du fichier user data de Cloudinit. Et ensuite. Un peu plus bas, on définit quatre fichiers de templates qui sont justement euh, deux par deux les metadata et les user data pour ISP router 1, le routeur sur lequel on a passé un petit peu de temps, et ISP 1 VPS 1 qui est donc la deuxième machine sur laquelle pour l'instant on ne s'est pas trop connecté et sur laquelle là je viens de rajouter deux trois lignes de, de, de cloud limit. Donc à partir de là, je peux revenir ici. Je vais me faire mon petit, euh, mon petit destroy. Voilà. On va aller regarder ici. Hop, pas sur Marvin, mais là, ça va popper de la VM. Allez, pop-moi de la VM, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Il démarre. Et en toute logique, on devrait commencer à avoir de la conf cloudinite se faire à un moment. Je vais zoomer un petit peu. Euh, scale display, always. Voilà. Alors. Allez, allez, Cloudinite. Montre-moi ce que tu sais faire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la machine s'appelle ISP1 VPS1. Ça, c'est déjà énormément bon signe. Alors, ce que je vais tenter de faire... Hop, ici, il m'a perdu le truc. Et je vais faire ISP1 VPS1. Est-ce que par miracle... Oui, j'ai une console euh, série. Mais pourquoi je mets iOS Voilà, donc Nils. Et password. Je, crois, je pense que j'ai eu des gros doigts. On va la refaire. Niels, password. Et il en veut pas. Euh, je vais essayer ici. Alors, euh, déjà, je suis en qwerty. Ok. Niels, password. Ah, il n'en veut pas. Est-ce que c'est password qui pose problème bon, J'arrive à le taper. Remarque, dans ce cas-là. Ah mais c'est qu'il avait pas fini Hein, le petit euh, le petit coquin, il avait pas fini. Voilà, là il m'annonce à nos ISP1 VPS 1. Alors il y a une host key qu'il qu est en train de générer. Ok, est-ce que maintenant ça marche Non, toujours pas. Il a peut-être toujours pas fini. Alors comme visiblement en ce moment j'ai un peu du mal, hop on va faire copier-coller hein, par précaution. Non, toujours pas. Euh... Ceci étant, il a peut-être une adresse IP, il ne m'a pas montré d'adresse IP. Est-ce que si je sors et que je vais aller regarder la console du routeur... Là, on verra mieux comme ça. J'ai bien ça. Et si je fais un show configuration, euh, il était où mon, euh, mon DHCP Il allait de 9 à 254. Ah ouais, j'aurais peut-être pu être un peu moins euh, parce que là, si je fais un ping vers. Euh... Ah bah, c'est le. Euh, D'accord, c'est lui. Ok. Ah, est-ce que j'ai SSH là-dessus? Ouais, j'ai SSH. Ah, permission denied. Ah, ok. Il veut que de la que de la clé? Bon, soit. Alors, est-ce qu'il aurait enfin fini? Non, toujours pas. Par contre, on a au moins le nom d'hôte de la machine qui a été pris en compte. Alors. Euh... Est-ce que je ne me suis pas trop trompé dans les trucs Je me permets de consulter un peu mon anti-sèche. Euh, ah, je le lock password qui a false. Peut C'est peut-être ça aussi. Allez, lock underscore passwd à ah, false. Hop et euh, je vais quand même rajouter quelques petits trucs moi qui m'aident bien généralement. Hop. Ah, et puis faut que je les mette faut que je les mette entre côtes en plus, double côte même, les UID et GID. Hop, Hop là. Euh, primary group. Et... et on verra après pour le reste. Allez, on est reparti. On casse tout et on recommence. Est-ce qu'elles vont popper les VM Ouais, elles pop. Allez. Ça c'est génial. Franchement, la, la, la console série, je sais, ça peut paraître complètement euh, désuet. Euh, Complètement obsolète mais punaise qu'est-ce que c'est pratique en fait. Dans le chat, qui aime encore les consoles série <laughs> Alors. Il a le nom. Claudinite. J'essaie de voir s'il m'a mis un message en mode eh hey, au fait j'ai terminé. Il est où le final message parce que là je vois des choses, je vois du Cloud Init qui a, qui a travaillé, qui a généré des clés SSH, les clés d'hôtes en fait de la machine. Euh... Mais il ne m'a rien affiché d'autre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les jeter un œil à la console graphique, mais la console graphique c'est pareil. Ok. Soyons fous, hein. Ah Voilà, je savais bien qu'il prenait son temps. Voilà, là il me l'a affiché le, le, le message final. Par contre il rajoute No autorise Key Fingerprints, oui, normal. Ah et bah ben voilà, ça y est, je suis connecté. Bon là, dit Network Energy Cheval, ok. ETH0. J'ai pas d'IP, tiens. Mais non, mais... Oh. Fail de unit, ok, je suis route. Network Manager, waitonline.service. Bah ok, bah écoute, système CTL. Restart, On va faire un petit status. Petit IPA. Voilà, là maintenant j'ai une IP. Ping. Et ça ping. Voilà. Donc en fait je pense qu'il a démarré trop vite par rapport à l'autre. Euh, par rapport à l'autre. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde dans quel ordre démarrer les, euh, les VM. Ça va devenir un peu comique si jamais je dois avoir un ordre de démarrage des VM. Euh... Donc là c'est cool. J'ai... Euh, alors, si je reprends mon schéma, j'ai cette machine-là qui arrive à sortir sur internet. J'ai ce qui... ce qui est en prémisse pour celle-ci. Euh, qui, euh, qui pour l'instant arrive à communiquer avec l'autre sur le même sous-réseau et qui récupère une adresse IP du DHCP. Ce qui est plutôt bon signe. Euh, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux tenter un truc du genre SSH 10.1.1. Euh, bah non, avec VIOS en utilisateur. hop Voilà, oui, je veux. Et VIOS. Et ça passe. Et là, je suis sur le routeur. Je peux faire un petit show interface. Voilà, je peux faire un petit show configuration. Et pour le moment je n'ai toujours pas donc de nat. Parce que là sur le truc, si je fais ping 1.1, donc ça sort. C'est cool. Euh, si je ping... Euh, il avait pris quoi comme IP l'autre Bah la neuf. Pour le principe, je vais la, je vais la ping, mais euh, on a bien compris que ça passait, vu qu'on avait le SSH. Lui, si je tente un ping vers 1.1, bah, il va me dire non, rien. Pourtant, il a une route par défaut qui passe bien par cette machine-là. Et si je fais un host, euh, tiens d'ailleurs, euh, alors si je fais un 4 resolve.conf. à mon avis, oui voilà, c'est ça. Euh, mais si je fais un host euh, linuxaffaire.org commande not found. ok, si je fais un ping. L'inux à faire point ça va pas sortir mais il devrait résoudre. Ouais, il le résout. Il le résout. Donc il va bien chercher euh, l'adresse au euh, au vios, Et c'est le vios qui s'occupe de faire la résolution. Resolve CTL status pour voir les détails. Ah c'est intéressant ça. Hop là. Euh, alors non comme ça. Ah si ça passe. Et curandes. Ok. Ok. Donc, dans le monde de système D, si vous voulez savoir quel est votre serveur DNS de configurer sur la machine, vous faites ResolveCTL status. Alors, de vous à moi, et je vais passer en mode blabla comme ça, de vous à moi. Je ne sais pas si, euh, si l un, l un, le principal intéressé va, euh, va regarder, mais. Euh, je pense que vous connaissez peut-être toutes et tous E-MIL. et vous savez qu'il a une dent contre Systemd et contre son développeur principal. Et je crois qu'il s'en est euh, je crois qu'il s'en est donné à cœur joie dans le stream d'hier. Et il y a des fois je me dis non mais euh, il va peut-être un peu fort. Il est peut-être un peu méchant, euh, peut-être euh, peut-être qu'il exagère, peut-être que euh, Enfin voilà. Mais là sur ce point. Sur ce point là... Ça m'embête mais ouais... Euh, on n'est pas obligé de lancer une commande pour vérifier quel est le serveur DNS configuré quoi. Enfin voilà... Euh, regardez, regardez un fichier où ce serait écrit quoi. C'est trop demandé. Non mais euh, sérieusement... C'est pas possible ça. Alors je suis peut-être mon vieux mon vieux schnock, mais euh, mais, euh, mais non quoi, enfin euh, CTL status, fin, euh, et euh, et après il n'y aura plus à la commande ip, alors déjà euh, ifconfig est, euh, est rendu obsolète, mais un jour on aura quoi euh, euh, Ce sera ipctl ou systemd ipctl C'est quoi la suite hein C'est euh, systemd euh... Et que les choses soient très claires, hein, à la base, euh, je voilà, euh, je tourne sous Fedora, j'ai des machines en CentOS Stream, euh, même là, vous avez vu, j'ai mis une machine virtuelle en Fedora, donc le, comment dire, je, quelque part, j'accepte, j'accepte le, le, euh, le monde Linux Systemd. Mais il y a des fois quand même, euh, elle est où la logique euh Salut à toi, euh, Toinou TV. Tu arrives pile au moment où je commence à ronchonner sur système D, enfin plutôt sur système D Resolve D en fait. Euh... Mais c'est vrai que euh... c'est vrai que ouais c'est euh... ça me euh... ça me hérisse un peu euh, le poil si je peux me permettre. C'est enfin allez on va revenir sur euh, la... Là... hop sur euh, sur ça parce que là honnêtement je Alors, ce fichier en fait c'est nanana, managé par système D Resolve Ce fichier devrait être Simlink en tant que résolve. Ouais, ça on l'a vu, puisqu'on a fait un cat resolve.conf. Enfin, si vous cherchez etcresolve.conf et voir, ça, vous avez suivi le lien symbolique. Ok. Est-ce que je sais faire du Python Euh. Alors, j'ai quelques petites bases vite off en Python euh, que j'ai en grande partie oubliées. Euh, et sur lesquels j'aimerais bien m'y remettre. Euh, j'ai euh, fait un stream récent où j'ai essayé de faire un peu de Python et ça a été un peu laborieux pour être honnête. Mais ça m'est arrivé de faire un peu de code Python et dans le passé. Je sais, la réponse n'est pas un simple oui ou non, désolé. Euh, où est-ce que j'en étais moi Ouais, run resolve c'était le statut, ça on a vu. Third party program should typically not access this file directly but only through the simlink at etcresolve.conf pour manage manresolve.conf. Different... Ouais, ah donc il y a moyen de lui dire euh, allez vas-y euh, je détruis le truc. Salut à toi, Zara -CM. bienvenue. Euh, tu cherches un module que tu as que tu as extrêmement du mal à trouver, la pépite d'or de l'Inde Ah! euh pof 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 euh pop pop, pop est-ce que alors je sais pas ce que tu cherches comme module mais euh, normalement tu dois avoir euh, pypi quelque part ah non c'est peut-être dans l'autre sens voilà tu dois avoir tous les tout un tas de projets là-dedans sur euh, sur euh, sur Après, beaucoup, de, beaucoup des bibliothèques Python qui sont ici sont hébergées aussi sur GitHub. Donc, euh, après, je ne sais pas ce que tu cherches comme bibliothèque Python. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu cherches exactement Qu'est-ce que c'est censé faire Après, il est probable aussi que peut-être qu'elle n'existe tout simplement pas, cette pépite. Euh, tiens, je vais remettre ça ici. On va se mettre hop, comme ça. Et euh, bon, euh, Azara, tu arrives au bon moment puisque je viens de finir de râler, de ronchonner contre System D, et en particulier euh, System D Resolve D. Euh, J'ai un peu du mal à, à, voir, euh, à voir en quoi c'est mieux qu'avant. Tu es fan de System D <laughs> Ah mais je... Comment dire Sur, sur bien des points, je veux, je veux bien croire qu'il est, euh, qu est pratique. Honnêtement, euh, voilà, pour démarrer et, euh, démarrer et gérer des démons, des, des services, il n'y a pas de souci. C'est juste que, tu vois, avoir à faire resolvectl status au lieu de 4etc euh, resolve.conf pour savoir quel est le serveur DNS configuré, ça m'embête. Ah un module qui permet de vérifier si une carte est valide. Euh, pour un site de paiement fait main. Oh là Oh là Alors toi, nous. Euh... Alors toi, nous, c'est un sacré projet que tu as là. Hein. Resolve CTL Statistics. Euh, Resolve CTL Statistics. Uh, resolve conf Ah non, j'ai mis ResolveConf et pas ResolveCTL. ResolveCTL Statistics. Ah oui, avec un E ce serait pas mal. Décidément, c'est la soirée des typos. Voilà, mieux. Current transaction 0. Total transaction 14. Ok. DNS... Oui, bah non, effectivement, ils font pas du DNS sec pour le moment. Enfin, en tout cas, ma, mon, mon iOS derrière n'a pas de DNS sec. Donc forcément, il n'y a pas d'info. Current cache size, cache hit. Et je suppose qu'ensuite... Alors, effectivement, je n'ai pas ça avec euh, TCResolve.conf. Ça, ça a l'air sympa, mais la question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ça aussi Mais dans ce cas-là, ce que je te propose à Sarah, c'est pas, pas se voir Emil. Il sera sans doute plus difficile que moi à convaincre. Euh, pour, en, pour en revenir à ta à ton euh, comment dire à, à ton besoin euh, toi nous euh, vérifier si une carte est valide. Euh, là comme ça, je ne vois pas euh, je ne vois pas ce qui euh, comment dire. Je vois pas le, je connais pas de module pour le coup. Euh... C'est euh... la seule chose que je peux te proposer parce que je crois que l'information de ce qui doit rendre un numéro de carte valide, ça existe. Donc ce serait de dire bah euh, si tu trouves pas, fais-le toi-même. Et je pense que ça peut être super formateur. De créer une bibliothèque qui t'indique si le, le numéro de carte est valide. T'as essayé avec des formules mathématiques, mais c'est pas très concluant. Ah. Ah. Ouais. Euh, bah malheureusement, je vais pas pouvoir t'être d'une grande aide. Je vais pas pouvoir t'être d'une grande, euh. grande aide. Après, euh, le souci, quelque part... Alors, je... Comment dire euh, je veux peut-être te proposer de contourner plus qu'autre chose, mais euh, si tu veux faire un site de paiement fait main, euh, j'ai un peu du mal à voir euh, à quel moment tu vas. Comment dire Parce que tu vas traiter un numéro de carte bancaire, euh, et au-delà de toutes les implications que ça, ça peut avoir, ce numéro de carte bancaire, à un moment, tu vas le transmettre très probablement à un autre établissement bancaire. Et alors, je ne sais pas si ça existe en Python. Mais il existe normalement euh, un certain nombre de logiciels de type connecteur de paiement. Euh, qui. Euh, bah, Azara qui arrive et qui, hop, qui donne tout de suite le lien qui va bien. Bravo Azara, hein, moi je dis. On va aller regarder ça tout de suite. Credit card checker. Bah voilà, validating number. Nickel. Que demande le peuple hein Oui, en général, on utilise le a pour les... Oui, effectivement. Tu cherches aussi à inclure au CVV une date d'expiration. Ouais. Oui, effectivement. Azara, euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Le problème n'est pas la validation, mais la législation. Parce qu'effectivement, tu vas vouloir traiter un numéro de carte... Euh, de carte de, de paiement. Et là, tout de suite, ça va être... Euh, C'est ça. On peut pas le stocker comme on veut. Je suis... Euh... Je suis complètement d'accord, j'ai déjà eu à gérer, euh, à gérer des problématiques similaires. Et euh, le plus euh, comment dire, le, le, le plus simple, ça reste encore de tout faire pour ne pas avoir à voir un numéro de carte bancaire passer. C'est justement, tu délègues tout à euh, un maximum euh, pour justement éviter d'avoir à le faire. Et à la rigueur... À la rigueur. Ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller regarder tes logs régulièrement pour voir si par hasard il n'y a pas un numéro de carte qui serait passé. Parce que si c'est le cas, faut trouver le moyen de l'effacer euh, rapidement. Mais euh, c'est instructif de pouvoir le faire en Python ça. Bon, je n'ai pas d'idée d'usage là pour moi perso, mais, euh, mais voilà. Euh, bien, 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 bien. Alors, euh, nous avons, nous avons notre, notre VM qui est là. La seule chose qui nous reste à gérer, euh, c'est euh, bah, cette partie de NAT en fait. C'est cette partie de NAT qui pourtant, euh, pourtant est là, mais a priori se casse la figure. Outbound interface, source adresse 10.1. Je... C'est jamais sur un malentendu. 0.0.0. Ça chute. Comment je l'avais mis côté. Euh, hop, du côté de mon ancien lab. J'avais mis roule 100, outbound interface. Ouais, bon, ok. Source, ok. Translation adresse masquerade. Ouais, ok. NAT source, ouais. Bon, roule 100. Ouais, ok. J'avais mis ça. Ok. Donc a priori, euh... Euh... alors là non, c'est pas du NF table, euh, c'est la syntaxe, euh, la syntaxe vIOS Juniper. Hop là, et euh, on va euh, tout détruire et tout relancer. Hop. Parce qu'en fait, j'utilise euh, comme routeur virtuel. Euh, une, euh, une, euh, une distribution Linux qui s'appelle Vios et qui a une syntaxe euh, proche de, euh, de Juniper. Ok, donc ça c'est créé. Hop, ici. Si je reviens sur le routeur, ce qui va encore me dire. Et euh, eh, au fait, la conf elle n'est pas valide. Ben, Qu'est-ce qui t'arrive, Azara Pourquoi tu meurs Parce que c'est pas du NF table Si tu veux voir du NFTable, faut il venir, faut venir à mon stream de dimanche 18h. Alors, c'est assez marrant que tu dises pourquoi inventer de nouvelles syntaxes Parce que euh, je suis allé regarder euh, la, page, euh, la page de NFTable euh, sur, sur le wiki officiel Debian. Et le wiki officiel Debian, eux, ils vont plutôt te dire... Non mais en fait, utilise pas NFTable directement, euh, va plutôt utiliser un front-end genre, euh, utilise FirewallD, ce sera très bien. C'est assez amusant. Et en fait, je sais même pas d'ailleurs si euh, le VIOS, lui, euh... mais en fait, c'est pas une question. Enfin, alors, je ne sais pas euh, si le VIOS utilise ip -table ou NF-table en... en, comment dire, sous le capot. Mais en fait, là, le, 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 le principe de VIOS, c'est d'avoir une syntaxe qui, comme je l'ai dit, est proche de l'environnement euh, Junos de Juniper. Donc, euh, on va éviter. Enfin, le, le, leur principe, c'est justement de ne pas montrer du NF-table ou de lip euh... Maintenant, euh... Ah, mounting. Alors, roulement de tambour, est-ce qu'il va me dire euh, config... Euh... Il va me dire fail ou il va me dire euh, success Allez, 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 success, s'il te plaît, te plaît, te plaît. Allez, il est déjà 22h, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Failed. Oh là là, bon. Je pense qu'on va, on va rester sur ce, sur cette, euh, sur ce semi-échec pour ce soir. Euh... Pourtant quand je le rentre à la main, ça passe. Va comprendre. Euh... Va comprendre. Ah là là, je te jure. Euh, des logs. Euh, pour CloudInit, ça c'est une bonne question, tiens. Euh, je pense que je peux faire un petit sudo moins là-dessus. Ouais, on peut faire un sudo-i. Varlog, hop. Est-ce qu'on aurait des... Ouais, on a un... Hop, allez. Alors... Euh, là, il ne dit pas grand-chose. Et... Et lui, là, il dit quoi No cache found, ok. Euh... Alors, alors, journal ctl-xe. Voilà, euh... bah je suis directement sur le varlog de euh... du, euh, du cloudinit, donc ça devrait, euh... mais euh, allez, pourquoi pas. Euh... Oui, c'est vrai que le journal CETL XO permet de voir le peut-être les derniers. Ouais mais non en fait. Il me, dit... il me dit rien de particulier. Par contre ce que je peux peut-être faire, c'est sur le clouding.log, faire un petit tail moins 50. Euh. Alors, config. Alors. Ah, voilà! Marking node hashtag. Il faut peut-être que je remonte un peu plus. Alors. En faire un tail moins 100, puis en faire un less. Hop. No final Ok. Alors, default user of iOS. Ouais, jusque-là, tout va bien. Fallback. Bah, oui, logique. Ok, setting. Ok. Jusque-là, tout va bien. Donc là, il dit clean up configuration. Ok. Pourquoi il, il a. Fait... Alors, ce qu'on va faire, euh, je vais exit ici. On va passer euh, sur l'autre. Ouais, ouais, il est pourri, mon laisse. J'ai vu ça. Hop, bah eh ben non, pas iOS du coup, Niels. Hop, c'est Niels, password. Est-ce qu'il a fini par prendre une IP Non, toujours pas. Si, il a fini par prendre une IP. Donc... Voilà. Voilà. Et, ouais non, c'est toujours pas mieux. Putain mais pourquoi il me... Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il dit Pourtant il a dit config VOS run successfully. Euh, ouais, peut-être tenter en laisse-moi R. Euh, ah ok c'est que il a... Ah il a masse de... Oh là alors, alors, configuring command, set system hostname. Ok, on est là. Ok, ça ensuite c'est bon, ça c'est bon. Interface, ok. Delete, ok. Set nat source, set nat source. Configuring command, masquerade. Mais il ne me, il me hurle pas d'erreur en fait. Il ne me hurle pas d'erreur. En tout cas pas encore. Et ensuite... Successfully run three module with zero failure. C'est bizarre cette affaire. En gros, il dit success dans le log. Hein. Il, y a un truc, il, y a, il y a quelque chose qui me ment. Il y a quelque chose qui me ment. Hein. Là, il n'y a pas de nat. Bon. Bon, 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 bon. Euh... Je pense qu'on euh, est déjà à deux heures de stream. Et euh, je pense que ça va être le... Euh ça va être le, euh, le sujet le sujet de, euh, de la prochaine fois de comment euh... c'est quand même euh... c'est quand même euh... si je fais un grep -i euh, error dans euh, var log cloudinit.log rien et le output rien du tout Ouais, non, celui-là, euh, nada. Ok. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir euh, Peut-être messages Si je réponds euh, cloud. En euh, mettre loud au cas où. Pattern not found Non. Ouais, ok. Euh... Oui, donc fatalement, il va me proposer clouding.log. Euh... Diamond, DP... Ah, diamond Il y a quoi dans le diamond.log Ouais, non. 6 log. Init local. Nope. Bon. Et eh ben tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Il n'empêche que malgré tout, malgré tout, on a quand même pas mal avancé ce soir. Euh, parce que globalement, euh, on a maintenant deux, euh, deux VM qui ont un cloud init. On a deux VM ensemble, reliés dans le même réseau, avec chacune leur cloud init. Donc avec une conf de base. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Euh, ce que j'espère, c'est pouvoir essayer de trouver la solution sur ce truc-là euh, pour la prochaine fois. Euh, peut-être qu'il faut que je, euh, je modifie les, euh, les valeurs. Euh, et euh, et peut-être que du coup, ça permettra de passer, euh, de passer à la suite. Euh, puisque une fois qu'on aura ce premier, euh, cette première VM. Euh, ce qui pourrait être euh, sympa, c'est peut-être de la mettre en IP euh, en IP fixe. Et, euh, et puis pourquoi pas bah, euh, d'essayer de la transformer en, en serveur DNS pour qu'elle devienne le DNS entre guillemets euh, public de mon petit bout d'internet euh, que je vous remonte hein, comme, comme maquette. Où euh, là en fait, on va avoir euh, à gauche ici, on aura un serveur DNS. Euh, et puis ensuite, on pourra cloner entre guillemets toute cette partie là pour aller euh, pour aller créer notre deuxième, notre deuxième réseau ici. Et ensuite, on pourra mettre notre premier interco. Et puis peut-être faire du BGP du coup. Voilà, euh, voilou, Pour les prochaines, euh, les prochaines choses à voir. Bien euh, Alors non, ce ne sera pas des vrais AS. <laughs> ce ne sera pas des vrais AS. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir, je vais remontrer à l'écran. Et je vais rezoomer un peu d'ailleurs. Hop, on va se mettre en, en 150. Hop Tu remarqueras que les numéros d'AS sont des, des numéros d'AS internes. C'est justement des, euh, des, des trucs internes. Donc c'est pas un vrai bout d'internet, c'est juste une maquette pour essayer de reproduire un bout d'internet. Euh, Qu'on avait déjà d'ailleurs reproduit sur, euh, sur la, euh, entre guillemets la génération précédente de ce labo, mais pas avec le même genre de schéma. Euh, et euh, c'était assez sympa. Alors non, alors non non non, je vais me passer de la bureaucratie du ripe euh, à simuler non non, c'est bon. C'est bon. Non 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 non. Euh, je vais pas ensuite faire des transferts d'argent euh, de faux LIR à faux LIR juste pour euh, juste pour dire hé, hey, au fait euh, le LIR il est sponsor euh, non 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 non. Non non non. <laughs> non merci. D déjà déjà je pense que sur le plan purement technique, on devrait déjà s'amuser pendant un bon moment donc ça on va pas euh, on va pas en rajouter une couche. Monopoly AS Édition. Ouais, c'est une idée. C'est une idée euh, d'édition du Monopoly. Euh, le Monopoly euh, Ripe. Ça, ça, on, pourrait, on pourrait le proposer à, à l'éditeur du, euh, du Monopoly. Ça peut être marrant. Mais euh, je pense que ce serait un marché de niche. Voili voilou. Bon, euh, pour finir, euh, pour finir cette, euh, cet épisode. Euh, donc, je vous rappelle que ces aventures-là ce lab, euh, lab as code, vous pouvez le suivre chaque jeudi de 20h à 22h. Euh, je fais ça euh, avec vous, je découvre pas mal de choses parce que bah, ça me permet de me... Euh de me comment dire, de me frotter euh, à Terraform à Cloudinit euh, potentiellement à Ansible parce que je pense qu'on va pas, euh, on va pas y couper à un moment pour configurer le, le serveur DNS en tête pas s'embêter en tête passer sur du euh, sur du Ansible euh, sinon je stream aussi les dimanches de 18h à 20h et en ce moment je suis sur la fin d'une euh, série consacré à l'administration système d'un serveur web Linux euh, orienté débutant. Et justement, justement euh, le stream de dimanche va porter sur les pare-feux euh, avec du NFTable dedans. Donc si jamais vous avez envie de voir un petit peu NFTable, eh ben, rendez-vous dimanche, euh, on en fera principalement euh, de ça. Sinon, si jamais euh, vous n'avez pas forcément le temps de venir euh, le jeudi ou le dimanche, euh, avec un peu de délai, euh, mes vidéos, alors déjà d'une, les vidéos sont de toute façon sur Twitch pendant deux semaines, euh, mais ensuite les vidéos sont aussi sur ma chaîne YouTube dont vous retrouverez le lien ci-dessous. Et si jamais vous regardez euh, cette vidéo euh, sur ma chaîne YouTube, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et euh, à euh, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi, tant que vous y êtes, vous abonner, ça me fera très plaisir. Entre deux streams, si vous avez envie qu'on papote, je suis dispo sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Mastodon. Et euh, la chaîne Twitch a aussi son serveur Discord, dont l'adresse est là-dessous dans la vidéo, et vous pourrez même normalement le retrouver dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée à vous donner rendez-vous à dimanche ou à jeudi prochain. Bye bye